Vu ma gueule et la vie que je mène, c'est impossible que quelqu'un puisse m'aimer. C'est un truc de ouf, hein. Hâte de regarder comme, bah, ils sont là, Luthien, à un moment, ils sont là, hein. Mais c'est un truc de ouf que ça fasse 5 jours que je me fasse insulter par des pépés foot et des pépés voitures de gros chiens. Toujours des pépés foot et des pépés bagnoles, hein. J'ai eu un de tes haters, comment ça tu l'as eu? Ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Il ne se lasse pas. Non, Zarin. À un moment, ils sont là, j'y vais, et ça me permet de les bloquer aussi, hein. Parce que si je les bloque pas, qui va le faire? À un moment, il faut les bloquer. Bref, on reprend FF16. On fait le chapitre du Dominion avec Bahamut. On va l'enchaîner. Ah, salut Mortal. Mortal, ça, comment ça va? Comment ça va? Bienvenue. Oui, TikTok, je dors, je ne peux pas ne pas dormir pendant une semaine. À un moment, il s'est obligé, sinon je vais mourir. Et comme vous le voyez, je ne suis pas mort. Tu veux donner les codes? Non, tu peux pas aller. Enfin, je vais pas te donner les codes de mon compte principal. Ça, c'est à moi de le gérer, malheureusement. Hop. Je les bloque. C'est toujours des PP bagnoles, hein. Le pire truc, c'est que c'est toujours des PP bagnoles et des PP foot, hein. C'est toujours des mecs. Tout le temps des mecs. Allez, à 90% des gens qui m'insultent, c'est des mecs. Avec des comptes de mascu. Ou des comptes d'ultra-droite. Parce que ça aussi, on va faire un peu de politique, mais... Pour les fachos, j'ai pris des commentaires du genre « C'est un vegan homme soja, lui, ça se voit. Ça se voit, c'est un vegan homme soja, machin. C'est à cause de ce genre de mec que la France va mal. » Vraiment, t'as des sortes de comptes d'ultra-droite de merde, là, vraiment. Qui t'insultent parce que, vrai homme va au chantier, quoi. J'ai vraiment des comme ça, hein. C'est d'une tristesse. Ah, mais c'est vraiment des bébés bagnoles, hein. Bébés bagnoles et modo. Le gang des potiers, quoi. Non. C'est ça, hein. Putain, je galère, là. Hop. Comme ça. Et Diria. Et let's go la petite sortie. Souvent des ados, alors. Alors il y a beaucoup d'adultes qui m'insultent sur TikTok. Beaucoup d'adultes. Alors il y a beaucoup de gosses, mais il y a énormément d'adultes. Il y a énormément d'adultes qui m'en foutent plein la gueule sur TikTok. Justement, ces fameux comptes d'extrême droite, un peu en mode mieux, les drones font ça. Si vous voulez aller voir les comptes de mes vidéos, vous allez voir les délires, hein. Le pire étant le tournicodab. Le tournicodab, c'était un gage sympa sur Twitch. Ça se transforme avec une masse de mecs qui m'insultent sur TikTok. Parce que je fais pitié, j'ai l'âge de faire des enfants et je fais ça plutôt que faire des gosses. Plutôt que faire des enfants, je fais des tournicodabs sur TikTok, je me respecte pas, enfin... C'est vrai que vraiment... C'est vrai que c'est une vidéo de littéralement 20 secondes qui m'empêche de baiser pour faire des enfants. Hein. Je vois pas vraiment le rapport. Je vois pas en quoi faire des enfants. C'est vraiment... Merci eux, je me suis dit putain, j'ai fait un tour de codec sur TikTok alors j'aurais pu baiser pour faire des gosses, quoi. C'est vraiment... J'ai beaucoup de commentaires. Hein, de il fait des tournicodabs alors qu'il pourrait faire des gosses. Bah oui, enfin... C'est pas parce que je fais des tournicodabs que je peux pas ken ta mère, hein. Merde. Le pire, c'est que je peux même pas leur répondre un peu méchamment, je peux pas faire des blagues sur leur maman parce que je sais que la seule fois où j'ai fait ça, j'ai pris un ban par TikTok. Eux, ils prennent rien, mais moi, si jamais je leur réponds, je prends un ban. Donc, avoir des enfants est un objectif de vie, déjà. Je vous dis, j'ai plein de comptes de mascu, en fait. De vieux masculins d'extrême droite, dans mes commentaires j'en ai plein. Plein. Après bon, je vois l'activise, par exemple la vidéo tournée Kodab, elle a fait plus de 100 000 vues. Donc bon, j'ai l'impression qu'il y en a plein, mais il y en a une vingtaine sur 100 000, c'est rien.
C'est pareil pour l'autre vidéo qui a fait 6 millions de vues où je dis que je vais faire un sabbaton. Ils sont énormément à me traiter de clochard qui au lieu d'aller travailler, au lieu de gagner sa vie, fait des jeux vidéo sur internet. Mais sur 6 millions, ils sont une minorité en fait. Mais c'est ceux qui ouvrent leur gueule. Mais évidemment, il reste une grosse minorité. Tu pourras aller gagner ta vie au lieu de faire ton sabbaton à la con. C'est vrai. J'y réfléchirai. Généralement des gens d'extrême... Et il y en a beaucoup, hein. Enfin, sans rentrer trop dans le débat, mais quand tu cliques sur les pseudos, il y en a énormément que je bloque, qui ont la fleur de lys et le drapeau français dans la photo de profil. Ou alors des photos de profil en rapport avec l'armée, j'en ai énormément, et tout ça c'est... Alors, pas forcément lié à l'extrême droite, mais c'est quand même une imagerie qu'on retrouve sur ces comptes-là, quoi. Yann Rand, il a parlé avec un mec qui me traitait de chômeur sur TikTok, je l'ai vu ce matin. Et il disait au mec, oui, en même temps, tu le traites de chômeur, mais il se fait quand même un bon salaire actuellement avec son sabbaton. Et le mec lui a répondu, 4K par semaine, c'est rien. Il a répondu à Yann Rand, oui, enfin, ça reste un chômeur, parce que bon, 4K par semaine, c'est rien. Oui, enfin, une semaine à 4K, je t'avoue que... Si tu gagnes 4K par semaine régulièrement, ben c'est bien, hein, c'est un bon salaire. C'est Johnny pour le polo, ils sont déconnectés de la réalité, c'est impossible. Non, TikTok rien du tout. Par contre, moi j'avais pris un ban de 3 jours, Valek, l'été dernier, pour avoir répondu à quelqu'un. T'as fait bac plus 5 clown, point d'interrogation. J'avais pris un ban de 24 heures. Pour avoir dit à quelqu'un, t'as fait bac plus 5 clown, point d'interrogation. Du coup, maintenant, je leur réponds plus rien d'un peu agressif. Je me dis, si je me fais ban pour ça, qu'est-ce que ça va être si je vais leur dire que leur mère aurait dû les avaler, quoi. Salut Johnny, live se coupe au bout de 20 temps. Enfin, comme tu le vois, dans 41h37. Il doit être mineur ou extrêmement riche. Ou extrêmement con ou de mauvaise foi. T'as aussi beaucoup de mauvaise foi, hein. T'essayes d'argumenter un peu avec eux et qu'ils répondent, la mauvaise foi elle est là. C'est comme tous ceux qui me disent que dans la vidéo je fais une blague sur le fait que je veux pas voir ma femme d'une semaine à cause du sabbaton. T'en as énormément qui essayent de prouver par A plus B que je mens et que je ne peux pas avoir de femme. T'en as qui le prouvent, hein. Dites-vous qu'il y a des gens, comme j'ai dit que j'avais une femme, j'ai dit femme, alors que techniquement oui je ne suis pas marié, j'ai une fiancée. C'est-à-dire que j'ai demandé en mariage, et le mariage est prévu, on est même inscrit à la mairie, genre vraiment tout est prêt quoi. Tout est prêt, il y a tellement de trucs qui sont prêts, il y a des trucs qui sont pas prêts aussi, parce que le mariage c'est un bordel. Mais du coup il y en a dans les commentaires TikTok qui sont allés analyser mes mains pour me dire mais il a pas de bague, il est en train de mentir, il est pas vraiment marié, du coup ça se voit qu'il peut pas avoir de femme, de toute façon vu comme il est moche, de toute façon il en a pas. Il y en a qui sont allés analyser, j'ai des commentaires sur mes doigts pour... Et les faire part sont reçus, oui c'est vrai. Il y en a qui sont analysés mes doigts. Et moi, j'aurais répondu, mais excusez-moi, c'est juste que TikTok, vous êtes trop con pour comprendre le terme fiancé. Donc, je vais plus vite. Je dis que je suis marié. Parce que fiancé, quand je le dis, vous ne comprenez pas. Si Romain pour les 50 bits. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que ça m'est arrivé. J'ai dit aux gens de TikTok, j'ai une fiancée. Ils comprennent pas, des fois. 1 sur 2, ils comprennent pas le terme fiancé. C'est un truc de dingue. C'est vrai, Dandoni, ça va et toi. Il y en a plein qui savent pas ce que c'est, fiancé. Du coup, je dis femme pour aller plus vite parce que moi, ils comprennent, tu vois. Si je suis marié, parce que sinon, ils comprennent pas. Ils ont giga tout. C'est terminé. Hop. Bref. Hâte de me déconnecter quand même un peu samedi après-midi quoi. Même si je vous aime, hâte de me déconnecter un petit peu. Parce que putain. Bien essayé. Ça a été une semaine bien viande. J'en aurais bloqué beaucoup, au moins. Tac. Oui, ils sont vénères un peu. Ok. Il demande vraiment la définition de fiancé. Bah oui. Oui, il y en a qui savent pas ce que c'est fiancé. Il y en a déjà un sur TikTok qui a dit c'est pas possible, t'as pas de fiancé ou je sais pas quoi. Je lui avais répondu que si. Il m'a dit oui, mais ça c'est. Fiancé, ça veut dire que t'as une crush quoi. Bah non, c'est débile. Il y a quelques mois, je crois.
crois vers novembre, octobre, il y en a un, j'avais répondu ça, il m'a dit oui mais c'est une crush ça, fiancé. Bah non, non, c'est pas une crush. 18h30 la tier list. Bah parfait, 2h de FF et la tier list avec Taz et Kaoxyde à 18h30. Ok. Nice. Non mais ah ouais, non, mais vous sou... Faut vraiment pas, TikTok c'est vraiment le réseau. En fait le gros problème de TikTok c'est que c'est le réseau par excellence où les gens commentent sans réfléchir. Genre vraiment. Parce que tous les autres réseaux, Twitter aussi un peu, mais tous les autres réseaux, généralement le commentaire est un peu plus dur à caler. TikTok ils commentent sans réfléchir. Tout va vite en fait, TikTok tout va vite, c'est tu swipe, tu écris, tu swipe, tu reswipe, tu passes à autre chose. Et du coup, ils ont pas le temps. Ils réfléchissent même pas au poids de leurs mots, aux conséquences de leurs mots, parce que de toute façon, ils l'ont oublié dans 2 secondes ce qu'ils ont écrit. Ça va être temps, il live depuis samedi matin, 10h, Romain. Non, en vrai, je trouve que ça de plus en plus calme. Moi, j'y vais pas, non. J'y vais de moins en moins. Fiançailles, c'est un statut marital officiel. Ah ouais, en vrai? En vrai, t'as un vrai statut? Fiancé? Vraie question. Hop. Tac. Parce que c'est vrai que techniquement, oui, je suis pas marié, quoi. Je donnerai pas la date, mais d'ici fin 2023, je le suis. Mais actuellement, oui, je le suis pas, quoi. Oui, en effet, c'est vrai que actuellement, non. Fiancé, c'est une promesse de mariage, c'est vrai. Pas des trucs de dégénérés, même pour toi. En fait, faut... regarde, Lucien, c'est très simple. C'est très simple. Sur TikTok, si tu veux. Si tu veux voir à quel point c'est dégénéré, tu prends n'importe quelle vidéo qui fait plus de 1 million de vues. Chaque fois dans les commentaires, c'est le zbeul. Sauf si la personne en question a modéré un petit peu avant. TikTok avec Twitch, t'as un ratio de combien de followers de chaque côté? Ah mais c'est pas un stress TikTok, c'est juste quand ça pète, mais... Pff. D'habitude, je peux déconnecter, c'est juste que là... Là, je bloque les gens aux toilettes parce que et du coup, je suis obligé de subir leurs conneries, mais en fait, ça attire beaucoup de monde, TikTok, ça attire énormément de monde. Mais là, vous vous rendez pas compte, j'ai pris plus de 5000 abonnés, plus de 5000 follow sur ce bâton, c'est TikTok. La majorité. En fait, c'est d'habitude. TikTok, je m'impose de quand je vais aux toilettes, de gérer les commentaires. Pour une simple et bonne raison, c'est que TikTok attire des gens sur Twitch, mais si je bloque sur quand tu bloques quelqu'un sur TikTok, il ne peut plus tomber sur tes vidéos. Il ne peut plus regarder ton compte, il ne peut plus commenter, tu disparais en fait de son TikTok. Tu disparais. Mais si, Lucien, parce que si je bloque pas ces gens aux toilettes, je prends le risque qu'ils viennent ici. Et moi, mon but, c'est de les filtrer là-bas directement. En fait, je fais un tri directement là-bas à la source. Et je le bloque hyper facile sur TikTok, vraiment, genre vraiment, je réfléchis pas 2 secondes. En fait, le truc, c'est que je préfère les filtrer là-bas. Merci Kira et merci Balti pour le follow, parce que déjà ici, il y en a quelques-uns qui arrivent, qui sont dégénérés. Mais autant les laisser là-bas, je préfère les laisser là-bas, quoi. Ah non, que je te follow, bah merci à toi, petit kebab. Merci 1000 fois. Putain, ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein, le passage avec Bahamut. Milan, tu veux qu'on refasse le jeu? Milan, tu veux qu'on refasse le jeu ou pas d'hier soir? Parce que t'as l'air de te la péter un petit peu. Merci, petit kebab. Est-ce que tu veux qu'on repasse le jeu d'hier soir si les modos sont chauds? Parce qu'il n'y a pas de problème, hein. On a un jeu avec Milan, les modos. Hein. C'est Light et Woxira qui l'ont. Ah, ouais, ouais. Enrand va. Non, c'est Enrand et Woxira, qu'est-ce que je dis? C'est Enrand qui a lancé le jeu. C'est Kira. Laisse-moi 15 minutes. Dans 15 minutes. C'est Kira, bienvenue à toi. Dès que je dis le mot carotte, Milan prend 1 minute de Théo. C'est le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu en voiture. Dès que je dis ce mot-là, il y a un mot, il y a un mot clé. C'est 1 minute pour Milan. C'est très drôle. Hop. Un peu de focus. Merci beaucoup Esp YouTube pour le follow. Quoi Milan? Ah parce que pourquoi pas, il faut ses victimes. Et Milan c'est la victime idéale parce que même Stoli et Thunderfox n'acceptent pas Milan. Merci Jaco Choc pour le Prime, merci pour le 2e mois, merci beaucoup. Tu mettras la rediff de ton grand live, je cutterai des moments avec du let's play. Et dans l'angle, Kaoxyde a fait des temps forts de pas mal des sub goals. Hop. Elle me fait pas mal des temps forts.
Les tier list, je sais que je les mets sur YouTube, donc je les exporterai aussi. Putain, je vais m'amuser en termes d'exportation. Surtout que je peux pas exporter la semaine prochaine parce qu'il y a Lutien. Hop. Il va falloir que je trouve des moments pour exporter rapidement. Sinon, je vais perdre des rediffs. Demain, je vais samedi, je vais exporter à balle, dimanche aussi. Parce qu'exporter, c'est pas dur, hein. C'est juste le PC qui doit tourner. Moi, je fais pas grand chose. TikTok, ils sont en train de débattre quand t'as commencé le live samedi alors que c'est... Oui, mais sur TikTok, ils arrêtent pas, ils connaissent pas Twitch. Sur TikTok, ils connaissent pas Twitch, ils pensent que je fais un... Ils pensent que je fais un sub-bâton sur TikTok. Hop, merci pour l'eau. Merci Lutien. Vous êtes connu comme un AKRJ. Bon, on s'est croisé sur Twitch, tout simplement. Hop, on prend ça. Ah, j'ai voulu faire l'esquive parfaite, j'ai pas réussi. Putain! J'ai pris la potion trop tard. Ah. Tout à l'heure, ils étaient proches de découvrir Twitch. Ah, plus que dans Denis. Putain, je galère hein, là. Il va falloir que je me focus un petit peu plus. Hop. J'ai combien de points de compétences? Ah, j'ai presque cassé. Hop. On va aller par là. Allez, je vais y arriver. Ah, mais ça fait... Ça, ils enlèvent les autres ennemis quand tu meurs. Hop. Les ennemis que j'ai déjà tués, ils les enlèvent, je sais pas. Ok. Donc 18h30, la tier list des voitures avec Taz et Kaoxide. Ouais, les tier list, je les mets sur YouTube. Faudra que j'exporte tout, j'ai plein de trucs à exporter. Je vais essayer d'en exporter un maximum cette semaine avant que Lutien arrive. Sinon, je vais pas pouvoir trop. Enfin, si je pourrais, mais moins, on va dire. Tac. T'as plus de followers sur Twitch ou sur TikTok? Sur TikTok, mais bon, un follow sur Twitch, c'est pas pareil qu'un follow sur TikTok. Hop. C'est pas comparable, c'est ça. C'est pas le même réseau social, c'est pas le même, la même chose. Ok. Ok. Okay. Fidélité n'est pas la même. Oui, puis il y a moins de... TikTok, c'est un truc qui va très vite en termes de visibilité, ce qui n'est pas le cas de Twitch. Twitch, la majorité des followers que j'ai, ils viennent d'autres réseaux, justement. Parce que TikTok, c'est un truc, tu postes une vidéo, celle que j'ai fait pour le sub-bâton, elle a fait 6 millions, bah forcément, ça attire du monde. Twitch, avant que tu fasses 6 millions de vues sur un live, t'en as... T'as du chemin, quoi. Du chemin. Hein, je galère avec lui. Hein. Tiens. Ok. Ok. Tiens, je galère avec lui, hein. Je sais qu'à un moment ils vont des potions l'autre. Donc ça devrait aller, je sais pas. Ok, c'est bon. Enfin. Hop, psycho canard. Putain, on va pas se fâcher pour tech pour TikTok hein. Mais bon, surtout on va les laisser tranquilles. Hop. Normal que tu galères niveau 70. Ouais. Là c'est l'inverse qu'en mode normal. C'est les ennemis qui ont des niveaux de plus que moi. Hop. Tiens. Hop. Hop. Ok. Oh, le platine d'FF10, d'FF16. Ça va être dur.
ça va être dur avant la fin du sabaton surtout. Ça va être dur de le torcher. On verra, on en sera à 18h30 après... Après tout ça. Pas d'embrouille dans le chat s'il vous plaît, y'a pas besoin... Pas besoin, j'ai vraiment pas la motivation, hein. Vraiment si c'était possible. Là, je suis pas sûr que ce soit très utile. Hein. Hop. La glace brise tout. Hop. Hop. Le compte de Luciole de quoi? Pas d'embrouille, il y a un début d'embrouille ici. Il y a clairement un début d'embrouille. Hop, il y a de la taquinerie on va dire. Hop. Tac. Ok. C'est Mugiwara, c'est le grand temps qu'il est en live depuis qu'il lit son chat, c'est-à-dire samedi à 10h du matin. Hop. Ok, lui je vais galérer par contre, avec le peu de potions que j'ai, je vais galérer. Ok. Je vais vraiment galérer contre lui. Ça peut le faire, mais ça va être dur. Là, je vais le faire ouvrir. Ça va. Je fais pas tant de dégâts. Est-ce qu'il est parfait? Ok. Merci J-Dose pour le follow. Est-ce que en vrai je peux faire Bahamut à mon avis avant 18h30 avant la faire liste avec Taz et Kaoxid? Je sais pas. Fais tout le temps mais pour toi, bah écoute, bienvenue ici Emric. Merci. Tant que tu feras le platine de Minecraft. C'est ultra dur, non c'est pas ultra dur. Je sais pas. Là je sais pas. Je vous. Ouf. Durant l'été j'aimerais bien. Durant l'été. Je crois bien qu'il nous prépare quelque chose. Durant l'été, ma priorité ça va être The Witcher 3, le marathon Ratchet, le platine de Minecraft. Sekiro Nioh 2. On va voir. Si j'arrive à tout caser. Là, de toute façon, j'y suis pas à Minecraft. Je suis dans le sabaton. J'avoue que. J'ai du mal à me projeter. Surtout que je n'arrive pas du tout à tenir les horaires que je peux essayer de m'imposer. Donc. Mais normalement, durant l'été. Putain, il va me défoncer ce truc. J'ai pas assez de... J'ai rien. Ok. Ok. Merci beaucoup Laurent qui est beau pour le follow. J'ai de ton run sur... Alors, non. Le ton run sur Witcher 3, c'est le trophée platine. Refaire le trophée platine avec la version PS5. Mais je veux vraiment le poncer, c'est trop bien comme jeu. Mais je me tâte à lancer le marathon à Ratchet & Clank la semaine pro limite. Peut-être pas la semaine pro d'un côté parce que lui tient, je sais plus quand elle repart. Peut-être avant que le tien soit reparti, comme ça je me ferai des vraies journées où vraiment je vais lancer Ratchet & Clank. Peut-être une journée un peu transition la semaine prochaine. Une semaine un peu transition la semaine pro. Où je lance pas forcément de gros concepts, on continue Witcher. On continue Yokai tout ça et la semaine d'après je vois. Pour le marathon Ratchet. Je t'envoie un MP, fais voir. Alors fais voir. Ok. Ok. Je verrai, j'organiserai. Ok. Tiens. Comme ça. Je sais ce que je vais faire alors, du coup c'est bon. On lancera le marathon à Chad & Clank lundi soir de la semaine pro. Ce sera le lancement du marathon. Et reprise du marathon après mercredi, tout ça on verra. Tac, du marathon à Chad. Ce serait pas mal de le commencer là durant février en juillet. Il fait mal ce bâtard. Hein. Non. Toi je vote. Oh
Power Wash Chirel avec le tien. Même là, je serais plus efficace que lui. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Ça, c'est le foutage de gueule, par contre. Hop. Et j'ai fait une lettre d'excuse, tu veux quoi de plus? Tu feras tous ou c'est juste la trilogie? Je pense tous, honnêtement. Et je ferai le trophée platine de ceux dont j'ai pas le platine. Normalement, c'est un marathon. Après, je crois qu'il y a un ou deux spin-off que je ferai pas à 100%. Il va me tuer. Je suis mort. Ok. Putain, je peux le tuer, mais il va me faire galérer ce truc, hein. Ok. Ok. Comme ça, j'essaie de le mettre à terre. Ok, ça le défonce bien. Là, je vois rien. Ok. Ok. Et si j'ai la poussière de diamant qui revient, je le défonce. Ok. Ok, là je l'éclate. Ah ! Putain, j'ai regardé le chat parce que je pensais que c'était fini. Je suis vraiment un gros con. Je suis vraiment le roi des abrutis, vraiment. Ah, Jaden Clank, trop bien, ouais, j'ai trop hâte. Et c'est bon, c'est gagné, je regarde le chat. Non, débile. Comment ça, j'ai plus de super potions? Elles sont où mes potions pour la... Ils me remettent pas mes objets? Mais comment je fais sans mes objets? Ah, mais ils me remettent à ce niveau-là. Pourquoi il est déjà entamé, le dragon? Pourquoi ils me remettent à ce niveau-là, du dragon? Pourquoi ils m'en mettent là? Ils m'en mettent en plein milieu de combat? Merci Elliot pour le follow! Ok. Et pourquoi ils m'en mettent là en difficulté? Tu sais pourquoi ils m'en mettent là par contre, Valek? C'est trop bizarre, non? Ok. Ok. Tiens. Allez, prends. Ok. Ok. Il a une seule ligne en deux phases, d'accord. J'ai pas compris pourquoi il change de phase. À quel moment il change vraiment de phase, lui? Ok. Est-ce que Calcine voit 50 bits? Étoile dans chaque sac, il y a 3 friandises. Étoile dans chaque sac, il y a 3 friandises. Étoile dans chaque sac, quel il genre y a de 3 friandises. Étoile dans chaque sac, il y a 3 friandises. Étoile dans chaque sac, il y a 3 friandises. Étoile dans chaque sac, il y a... Et dans des sacs à quoi? Des sacs à patates? Des sacs à carottes? Des sacs à quoi? Je sais pas, moi j'ai pas compris. Hop.
Milan, tu vas avoir autant de Théo que Jibakoma. Hop. J'aime bien Milan en plus. Très sympa, mais j'aime bien troller aussi. Hop. Allez, dégage. Finissons-en. Putain, c'est bon. Mulad. Étoile. Étoile, les friandises. Étoile, c'est l'heure de manger. Mimine, la pâtée. Mimine, viens manger, Mimine. Par ici, Clive. Vous allez bien? Guts, te voilà. Je savais pas qu'il y aurait un dragon. Allez, on s'éclipse. Hop, on va skip tout ça. Carotte. Carotte. C'est carré sur les 50 bits. C'est moi qui dois le dire. Merde, je l'ai dit du coup. Oui, ça va. Hop, ça va. Ça, je bats avec Milo. Coxine, il sait ce que je vais faire, mais il me laisse le faire quand même. Il met pas un casque, il baisse pas le son, genre. Baisse le son. Mute. Mute le live, non? Ok, je peux racheter à Guts. Après, ton chat, c'est à peu près le bruit qu'il fait quand tu lui as mis un thermomètre dans le cul tout à l'heure, non? Est-ce qu'il te faut Il a fait ce bruit-là, ton chat, quand tu lui as mis un thermomètre dans le cul. Tu vas en te fouler, mien? Non, quand même pas. Hop. Sagé, du coup. Ce sera tout? La pauvre, mais elle a quoi, en vrai? Elle a quoi? La pauvre. Ah, parce que t'es pas chez toi, lui, tiens. Le Coriza. Ah ouais. Fun. Tu vas racheter le deuxième? Ah, mais c'est... J'avais pas compris, Valek. En fait, tu rachètes le même truc et tu l'équipes deux fois. Que de destruction. Ah. Il va falloir se frayer un chemin. J'avais pas capté. Je l'achèterai après, du coup. Tu ressens ça, Clive? De l'éther. Je suis tombé sur le compte pâté poulet de Lucol dans mes pour vous. Non, arrête. Mytho pas. Il ne manquait plus que ça. Une fuite d'éther. J'avais pas compris comment ça marchait, la strat pour les points. Du coup, c'est worse, ouais. Hop. Ah, mais je peux le faire depuis un moment, du coup, je pense. Ok. Alors là, faut pas perdre de potions. Quoique non, y'a pas besoin parce que Bahamut, ce sera plus critique. Oh, ça va être long le combat Bahamut, par contre, j'ai la flemme un peu. Un peu la flemme du combat Bahamut. Je crois qu'il y a un boss entre les deux. Y'a un random. Y'a un boss à la fin de cette zone, je crois. Ok. Ok. Achète 2, tu vas avoir Black Sun, renforcer le pendentif et bim, pendentif d'exception. D'accord. Je vais aller voir ça. Je fais ça après la quête. Pour te bosser, courage Kalia. Courage, je me suis abonné du coup, c'est pas obligé. Hein. Vous êtes pas obligé de vous abonner au compte pâté poulet de Luciole. Sauf que j'ai avoir des vrais abonnés pâté poulet dans mes abonnés. Ok. Allez, on va essayer de finir rapidement cette phase. C'est-à-dire avant 18h30 en gros. Putain, ils font... C'est quoi ces merdes? Pourquoi ils font si mal? Je peux rien faire. Ok. Je peux rien faire. Des abonnés pâté poulet, bah ouais, des gens qui sont des vrais comptes qui sont dans le même délire pâté poulet que mon faux compte.
Mais là, j'aurais pas le level pour ça, non? J'ai l'impression que je suis pas assez bon pour cette zone. Si je quitte et que je reviens, ça fait quoi? Si je quitte et que je reviens, ça fait quoi? Ça me remet là ou pas? En vrai. Je me pose la question, je sais pas. Quelqu'un qui a fait le jeu sait? Je me demande si je quitte et que je vais prendre 2-3 levels et que je reviens. Ça sert à quelque chose ou pas? Hop. Tiens. Hop. Oh, Captino. Plus tard. Merci, plume pour le follow. Hop. Ok. Je pense que tu reviens où t'en es actuellement, mais je pourrais le confirmer. Ah, mais attends, je vais tenter un truc. Je vais tenter, voir. J'aimerais bien me faire le pendentif. Hop. Je vais tenter un truc. On va tenter de save et de le faire quand même. Tiens. Tiens. Hop, ça se dégage. Joli coup. On va essayer. Je suis entouré de traîtres, mais non. Il n'y a pas de traître. Il y a un sacré bug là. Hop. Tiens. Oui. Courage Xavier Chabab. Merci petit kebab pour le sorbitz, merci mille fois. Et pour la force. Hop. D'abord je sais pas qui est Xavier. Hein. Je sais pas qui est Xavier. Hein. Vous en parlez tout le temps de Xavier là, mais je sais pas qui c'est. Hein. C'est votre pote peut-être, je sais pas. Ok. Ok. Allez là on tue normalement. Est-ce que si je fais une save et que je sors on voit ça marche. Ok. Maintenant si on se TP. Ah ok, ça annule vraiment la progression en cours, donc non. En effet, on va pas le faire. Un certain streamer en se battant actuellement. Ah, il y a d'autres streamers qui vendent des se battants. Bah, c'est normal, c'est courant. Il essaie du platine FF16. Ah, il y a d'autres streamers en se battant qui essaient du platine FF16 et qui s'appelle Xavier. Ok, bah, force à lui. Hein. Merci, Costar, pour le follow. Hop. Xavier, c'est le prénom de Romain. Je suis pas sûr. Il est depuis samedi dernier. Ah ouais, pareil que moi, du coup. Ok, on est un peu connecté. Ça peut être un copain. Là, je crois qu'on a presque fini la zone, en fait. Oui, bien plus sûr. Ou moins. Mais pour ça, il faut avancer. Je sais plus. Parce que... Ah ouais, non, mais c'est... Vraiment, on est connecté avec lui. Avec Xaviouche. Hop. Il manque combien de goals à faire actuellement? Non, pas beaucoup si. J'arriverai jamais à tout finir avant la fin du seul bâton. Il m'en manque 5, je dirais 5, 6. Plus. 7. Ok.
Les cheveux longs, des lunettes, le pseudo de sa fiancée, c'est Uranie. Putain, on est vraiment connectés. Hein. Une explosion. C'est sans doute des frères jumeaux cachés. Il a 1700 de sub. 1700 de sub, par contre, c'est de la folie, hein. Merci à tous. Hein. J'ai demandé de te suivre sur Twitch, sur TikTok. Ah ouais? Ah bon? Bah, bienvenue ici, Costerman. Alors, dépêchons-nous. C'est rare que je demande ça sur TikTok. Hop. On va essayer de finir ce chapitre-là. Si je finis ce chapitre, en vrai, après, on ira faire de l'annexe. On ira speedrun de l'annexe, histoire de monter mon personnage de level et tout. Je pense que sinon, je vais vraiment galérer sur la fin du jeu. Hop. Ok. Ok, il y a des ennemis. Faire ça. Il a jour 7 sub goals restants. Normalement il est à jour. 7 sub goals restants, putain. J'avais dit j'en veux plus que 2 ce soir. Hein. J'en veux plus que 2 ce soir de restants. Hein. Tous les autres je veux qu'ils soient terminés. Hein. Tous les sub goals terminés ce soir ou rien. Hein. J'en veux que 2 pour demain. C'est impossible. Bon, après les Pokémon c'est giga rapide. La tier list avec Task et Oxide à 18h30. L'encyclopédie dans Zelda, c'est pas le plus court. Il y a du progrès, comment ça? Après aujourd'hui on en a débloqué qu'un seul sub goal. Donc forcément ça ralentit et ça me permet de finir un petit peu tous ceux qui sont en cours. Ça qui est pas mal. Hop. Faut juste, en vrai, faudrait surtout pas que je débloque le... J'en suis presque à me dire ça. Faut pas que je débloque le sub-goal Yo-Kai Watch, quoi. Parce que les autres, ça va, ils sont pas trop viandes. Le sub-goal Yo-Kai Watch, il est vénère. Ok. 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 Ça part. Quel gros con, ce griffon. Hop. C'est bon. Je fais des goals, ouais. Toutes les deux heures, j'en ai fait des goals. Ok, je prends la vie. Je le défonce. Ah, les nouveaux ennemis en approche toutes les deux secondes. Hein. Par le pouvoir du feu. Ok. Allez, je mets... Putain. Ok. Ok. Comme ça. Ok. Merci beaucoup Mad Max pour le follow. Putain. Tellement cher. Ok. Ok.
Ok. Je vais t'aider. Défoncé. C'est terminé. Ok. Exactement Milan. Exactement Milan. Exactement Milan. C'est un peu limite en fait. Enfin, ça va être interprété de façon limite. Alors qu'ici sur la chaîne on accepte tout le monde Milan. Tu vois, c'est comme quand tu fais une ratatouille, t'acceptes tout le monde. Les courgettes, les tomates, les carottes, les poivrons, tu mets tout. Tu vois. Cher. Merci le petit polonais pour le follow. T'as cherché. Pardon, Noah. On doit une vidéo YouTube, oui, il faut virer le buveur de crocs. Ah, la vidéo sur Kaoxide est sortie. La vidéo tout TikTok sur Kaoxide est sortie. Hein? Il y a une vidéo sur toi aujourd'hui, non? Ta fête? Hop. Il y a une vidéo sur Kaoxide qui est sortie aujourd'hui. Vous avez pas vu la vidéo sur Kaoxide? Comment tient-il encore? Vous avez pas vu la vidéo sur Kaoxide? Bah allez la voir, hein, c'est la dernière vidéo TikTok. Bonne question. C'est la dernière vidéo TikTok, c'est une vidéo sur Kaoxide. Je vous demande votre avis par rapport à Kaoxide. Est-ce qu'il faut le bannir, le virer ou pas? Ah oui, c'est lui, putain, lui il était dur. Enfin, il était pas dur, mais il était chiantos, quoi. Allez, on va lui baisser ses vies. Ok. Tiens. Ok. Et après, c'est Bahamut, normalement. Tiens. Mais putain, les sacs à PV, les boss, hein. Ok. Normalement, il n'y a pas d'autre boss, je crois, entre lui et Bahamut. Et Bahamut, on est en crit, on bat les couilles. Ok. On va faire comme ça. Les premiers degrés de TikTok au secours. Oh non, il y a des vidéos. Attends, me dis pas. Tu sais que je voulais faire la même vidéo avec plusieurs modos. Avec Light Scientist, avec Lutien, genre, ouais. Déjà, elle est prof de français. Et elle aime beaucoup qu'on dise bonjour, tu vois. Ah, ils vont dire viens là, hein. Ou alors ils vont dire respect, c'est sa vie privée. T'as pas à virer quelqu'un parce qu'elle est prof de français. Ah, c'est trop grave. C'est trop grave. Ça rend la cour des miracles, TikTok. Hein. Ça me termine, en vrai. En vrai, là, ça me fait rire, parce qu'ils sont juste teubés. Ils vivent dans un monde parallèle, mais je sais pas. Ils sont teubés. Tu m'étonnes que des mecs peuvent leur faire croire qu'ils mangent 5 giga tacos à la suite, hein, en même temps. Hein. En même temps, ils gobent tout ce qu'ils voient, donc... Ils gobent tout ce qu'ils vont, on dirait leur mère. Merci Tyrul pour le sub offert à Héloïse, merci énormément. Merci énormément pour le sub offert. Merci beaucoup. Merci énormément à toi. J'allais faire la même vanne. J'étais pré-shot, Roronoa. J'étais pré-shot. Trop tard, Roronoa, je t'ai eu. Est-ce que, Roronoa, du coup, vu le niveau de mes vannes, est-ce que si Twitch marche plus, tu m'embauches en routier ou pas? Est-ce que j'ai le niveau? J'ai le niveau pour être routier ou ça va? Oui, il faut être choqué devant les clips, c'est vrai. Merci beaucoup Redandoni pour le sub offert à WoW. Il y a des gens qui pensent que tu manges des piles pour de vrai, oui. Il y a des gens qui pensent.
sont débiles. Non, parce que là maintenant ils pensent que le fait de manger des piles c'est des reps à Alan Food Challenge. Alors que je connaissais pas le type. Merci beaucoup en tout cas Thierry les Redents de Denis, merci énormément. Oh il s'est TP au boss. Non il s'est pas TP, c'est bon. Allez le boss, parce que le boss il est long. Hop. Merci beaucoup Nascan pour le follow. Ok. Ok jusqu'au bout. J'ai un très mauvais pressentiment. Et bah aide-moi du coup. Ah oui, bah aide-moi. Ok. Ça marche bien. Ok, j'ai rien. Ok, c'est bon. Qui m'a soulevé? Ok, c'est bon. C'est bon. Je peux l'éclater un peu plus ou pas? Comme ça. Ok, là on va lui faire ça. Merci Tractopelle pour le follow. Merci beaucoup. Ça. Troll Food Challenge. Ça a changé Peppa Pig. Alors, en même temps, je sais pas où t'as vu que c'était Peppa Pig. Hop. Hop. Ok. Ah non, mais d'accord. Merci, bonjour Nascan. C'est dans le titre, hein, sinon le jeu. Le truc que vous lisez pas là, qui est marqué sur, en haut ou en bas du stream, suivant votre plateforme. Ok. Ok. Allez, je peux presque le défoncer. Ok. Dans ta gueule. Là normalement lui c'est le seul boss je crois. Après c'est des... Bah, c'est Bahamut. Ok. Allez dégage. Il va crever le machin. Il est presque mort, faut que je fasse le con, j'arrête de regarder le chat à ce moment-là en mode c'est gagné, c'est fini. Ça l'est pas. Ok. Ok. Il s'est barré, ok il est mort. C'est bon. Oui, c'est vrai que pendant la nuit, okay, que c'est une rediff, tout le monde s'en fout. Hein. Les gens parlent à la rediff. Hop. Ok. Et donc là, on arrive à Bahamut, normalement, c'est ça? Et quelle heure? Il reste une heure avant la tier list de la honte. Avant la tier list de la honte. Hop. Ça va être l'angoisse, cette tier list. Hein. J'ai un peu honte. J'ai honte de ce qui va se passer tout à l'heure. Ça vaut le coup d'essayer. Hop. On va aller par là. Faut que j'aille faire pipi par contre. Encore. Encore Clabab. Oui. Chut. Il y a quelqu'un toujours par là. Ta mère. Premier degré en plus. Hop. Bientôt fini le jeu. Non. Heureusement non. Ça ta gorge. Ça va, ça va, ça passe. Donc là c'est le combat contre Bahamut qui commence. Un peu long hein, dans mes souvenirs. Mais une couche. Non bon ça je te la laisse Nascan. Hein. Je te laisse mettre des couches si tu veux, moi c'est pas mon délire, je préfère aller aux toilettes.
Allez, c'est parti. Bahamut. Le combat commence. Il y a combien de phases à Bahamut? Je sais plus. Ça finit dans l'espace, je crois. Normalement. Il y a 2-3 phases. Parce que gamer met des couches de gamer. Ok. Oh. En vrai, je suis pas si loin de la fin. Hein. Je suis très si loin. Pour l'anecdote, toi et Romain, je vous ai tous les deux collés sur TikTok il y a un an et demi. Hop. Un pluie, je vous ai collés sur TikTok en janvier 2023. Je ne savais absolument pas que vous étiez potes. Bah, tu vois, quoi. Et ceci. Il commence quand le combat là? Je vais faire pipi. Il reste combien de boss? Je vais faire pipi. Il reste beaucoup, il reste beaucoup. Le jeu n'est pas terminé. Désolé pour ceux qui s'impatientent. Le jeu n'est pas fini malheureusement. Mais de toute façon, dans une heure, on fait une pause du jeu pour aller faire une tier list de bagnoles. Voilà. J'adore les voitures, pas du tout. Donc là, ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire du Final Fantasy jusqu'à 18h30. Ensuite, on fait la tier list avec Misha et Mishka, là. Une fois qu'on a fini la tier list bagnole avec Misha et Mishka, moi, j'ai super chaud. Donc, on va faire les deux Pokémoches, la famille de Pokémoches sans modèle. Et après la famille de Pokémoches, je fais le sub-goal des 100 abdos à la suite. Et hop, pause douche, je me fais une omelette et je reviens. On fait un peu de FF16, 2h. Et après, on ira faire l'encyclopédie sur Zelda TOTK. Et comme ça, il restera... deux goals demain, il restera Nioh 2. Ah non, il restera Nioh 2, The Witcher et Hero 4. Ah. Maître Renard qui stream aussi. Hein. Maître Renard qui dit en vrai arrêtez, même si c'est pour rigoler, c'est chiant quand on revient de pause, quand les gens n'ont parlé que du streamer aux chiottes. Le jour où les gens le comprennent, s'il te plaît. Je te jure, quand tu reviens de pause et que dans le chat t'as que des... Il est parti faire caca. Putain, il en met du temps. Alors que t'as mis 2 minutes. T'as mode, c'est quoi, tu veux que je me pisse sur les jambes? Allez. Ah merci. Hein. A plus Lucien, bonne soirée. Hop. Ok. Allez, bam. Tiens. En fait, c'est rigolo la deux. Ouais, non, mais quand tu l'as tout là à chaque pause pipi, c'est bon. Au bout d'un moment, t'as épuisé le stock de ban sur le sujet. Salut hein. Gabi. Ah, c'est un bon stream, très bon. A plus, Emmerich, au revoir. Hop. D'ailleurs, en jeu en cours, j'ai toujours pas abandonné Dragon Ball Kakarot, hein. Il faudra qu'on le finisse. Un jour. Joshua ! Si tu peux le faire. Et Nioh 2, oui. Mais Nioh 2, vous inquiétez pas, hein, il faut qu'on fasse un trophée. Ok. Ça, je l'ai déjà à la compétence. Je crois que j'ai jamais fini un jeu. T'as jamais joué à un jeu vidéo. C'est pas possible. Hop. Hop. Ok, viens là-bas, Bahamut. Je vais l'éclater comme ça, tiens. Ça ne touche pas, là? C'est de la merde. Merde. Oh, le combat il va être giga long, hein, je vous le dis. On n'est pas sorti de l'auberge avec Ben. Ok. Ok. Ok.
Tiens. The light. Putain. Pourquoi Milan a pris 600 secondes? Quoi? C'est de l'abus. C'est de l'abus, c'est toujours 10 minutes la crampe des dents, ça se fait pas, ça se fait pas. Si on rebannerait trop Romain Jacques. Non, pas 10 minutes la crampe. Ah oui, vénère. Hop. Hop. Pauvre Milan. Moi, je défends Milan coûte que coûte. Hein. Zoé, je te défends. Hein. Je vais frapper votre punk là. Là, tu cherches. Tu cherches. Tu tournes la carotte pour te faire battre. Hein. Ah. Hop. Allez, prends. Mais pourquoi il... Putain, c'est impossible de le toucher, ça me saoule. Ok. Rappelle-toi à tirer sur la dure, 18h30 avec Misha et Mishka. Bon sang, c'est pas vrai. Arrête ça! Et bien dans le combat quand même. Mais interminable. Oh, je crois qu'il a deux barres de vie le boss, hein. Au début de la première. Tu vas trouver le compte Luciole sur Twitter. Il fait des vues le compte Luciole sur Twitter, il y a des gens qui s'abonnent. Est-ce qu'il y a des vrais comptes de pâté poulet qui s'abonnent? Ça, ça serait viande. Hein. Je sais pas comment je suis. Je sais plus comment y aller. C'est ça un commentaire sur une des vidéos TikTok avec un lien. D'accord. Là je suis pas. Comment c'est vrai qu'il y a ce passage là? Ok. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il y a ce passage là. Ok. On va essayer de finir le combat contre Bahamut déjà, priorité, et après on verra. Ok. Hop. 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 Ça. Oh, la musique, elle est tellement viande. Celle-là, elle est très très cool aussi. Celle avec Titan, hein, c'est les deux meilleures musiques. C'est les deux meilleurs combats, bah, Mute et Titan d'un côté, je trouve. Hein. Odin, ça vend du rêve au début, mais en fait, pas tant que ça. Ok. C'est bon. Fukuda, combien de vues? Beaucoup trop. Ah! 18h30, c'est, je viens de le dire, alors 10 fois. C'est un effort, s'il vous plaît. Je l'ai dit 10 fois en 5 minutes. Et vous étiez là, c'est dans le chat qui demande. Faites un effort. Hop. J'ai besoin de faire que me répéter depuis une semaine sur les trucs. Ça me termine. Parce que c'est vraiment une impression. Hop. Hop, vas-y. C'est sympa ce shoot them up. Hop. C'est pas une impression. Non, c'est vraiment pas une impression. Ok. Prends pas assez de dégâts en bas, Mut. Tiens. Oh, la musique, elle est tellement viande. Ok. Merci pour le follow, Clark. Merci beaucoup. Ok, il sera 12h30 pour moi. Je déjeunerai, alors dis pas des trucs dégueux. Merci. Ah tiens, regarde.
Tu me donnes pas d'ordre comme ça, s'il te plaît. Hop. Merci. Hop. Ah. Tac. Ok. Tac. C'est quoi ça, les gens qui te donnent des ordres sur tu fais pas ça? Parce que je suis en train de manger, donc tu fais pas ça. Bah, casse-toi du live. Hein. Hop. Tac. Ok. Je le finirai jamais, FSL. Je vais perdre. Hop. J'ai plus de quoi me régène. Ok. Enfin, il y a les 200, mais sûrement. Ok. Mais si tu vas le finir, ouais, pas sûr. Pendant le sabaton, j'y crois de moins en moins. 40 heures pour le finir, j'y crois de moins en moins. Mais bon. Hop. Tiens. Ok. Tiens. Hop. Trop chiant. Il est trop chiant. Ok. Ok. Là, je vois jamais assez pour le battre. Finir un jour, ouais. Enfin, pendant ce bâton, quoi. J'aurais fini un jeu pendant ce bâton. Non, pas comme mieux deux. Pas comme mieux deux, non. Il reste tellement de goal à faire ensuite derrière aussi. Ça fait pas de patrouille aussi. Mais ça compte pas, pas de patrouille. Pas de patrouille, il compte pas. Ah, retaz. C'est chaud pour la tier list. Si compte, non. Clive, tu vas bien? Hey, listen. Merci beaucoup à Psycho pour le follow. Tac, dans chaque sac il y a trois chers. Oui, je t'ai dit Taz, j'ai dit à Bretonix le Breton que c'était bon. Allez, nouvelle phase de Bahamut. On l'a presque terminé. Pas du tout. Sans le temps que je batte Bahamut, il y en a encore une heure. Hop, environ. Tiens. Tiens. Je vais éclater comme ça. Cher là, non? Pour une fois. Ok. Tiens. Je peux pas le toucher comme ça. Tiens. Tiens, ça c'est viande. Ok. Allez, dégage. Quel beau coup.
Les piégeurs sont énervés contre Kaoxide. Oui, en même temps il aime pas le fromage de chèvre, il est breton quoi. Après il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre moi en pensant que je suis premier degré aussi hein. C'est un autre délire hein. Hop. Ok. Viens par ici. Là on l'a fini non? C'est compris. Ok. Le boss final est dur, c'est pas le boss final. Non il est pas si dur, juste très long. Pas mieux sur le prochain modo, il paraît. Ça va être dur la fin du saut bâton, hein, vraiment. Ok. Merci beaucoup Ghostly Devil pour le follow. Ok. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Je vais te viander. Ok. Tiens. Ok. On m'a éclaté la gueule. Ça. On s'est dans ta tronche. Bah non, le moche. Et pareil, j'espère. Ah oui, c'est vrai, t'as gagné le sondage contre Romain et Jiba Commun. Et Romain s'est fait battre par Jiba Commun. Hop. Waouh, il est plus cher. Ok. C'est soit nous. Où ? Besoin de nous pour l'eau. Ok. Je me fais éclater la gueule. Et dire que c'est même pas la moitié du boss là. Jamais je le finis. On va passer sur les 40 heures avant que je le termine, ça c'est sûr. Ok. Très bien. Ok, très bien. Tiens. On va faire ça, on s'éloigne. Et là, on va les mettre comme ça. Voilà, là, il prend cher. Il prend cher dans sa mère. Voilà. La combien de phase de la première? La troisième de la première. Il est pas fini, hein. Il est loin d'être fini. Qu'est-ce que c'est ? Hop. C'est bon là ? Il est trop BG le Phoenix comme ça. Ok. Merde. Hop. Salut Gabi. Je suis crevé par contre. Là physiquement je sens mon corps est en train de lâcher un petit peu. Ça va être dur ce soir. C'est bon. Let's go. Mais il y a une deuxième phase derrière, c'est ça? Ça donne tellement rien. Ça donne tellement rien. Les chocobos, ils donnent la même. Les chocobos sauvages donnent exactement pareil. Non, mais là, ça part. Et du coup, la deuxième phase. Pas une petite pause, j'ai pris déjà tout à l'heure. Laissez très de côté. Ouais, j'ai envie de le finir. Parce que si je le finis pas. Je sais pas. J'ai envie de le finir en vrai.
Énergie, si tu n'as pas besoin de charge, j'en sais rien. Sans doute, je sais pas quand. Ok. Son pouvoir est grand, mais nous devons l'arrêter. Ouais, ouais. À nous deux, on peut y arriver. Aujourd'hui, je voulais trahir des F16. Tiens. Vas-y. Hop. Ok. La deuxième phase est moins longue, je crois, de toute façon. Ok. Tiens. C'est tellement stylé, ça. Ok. Vas-y, prends. Vas-y. Ok. Ok. Ça le fait mal, ça, quand même, un petit peu. Enfin, c'est ridicule, mais ça va. Ok, on dit ça. Je lui mets cher, mais c'est long. Hein. Platine de F16 ce soir, impossible, hein, j'y crois de moins en moins. J'y croyais un peu ce matin, vite fait. Puis j'ai vu tout ce qui est resté à faire, quoi. Tiens. Hop. Tiens. Ça, c'est le plus mal. Tiens. Là, je fais mal. Il est où là-bas? Il fait le malin. Ça. Ça le cap. Hop. Mais il reste 40 heures. Il reste 40 heures. Là, c'est la fin du sabaton, 40 heures, ça, je m'en rends pas compte. Hein. C'est très compliqué. Ok. C'est la death. Ok. Allez, laisse-moi tranquille, toi. Laisse-moi tranquille. Voilà. Plumé. Voilà. Ok, j'ai rompé. Non, ça va.
Non, il y avait des bruits dans le couloir, j'ai l'impression que ça grattait à la porte, mais non. C'est juste dans le couloir, mais c'est pas, ça gratte pas à la porte. Sur la condition pour avoir le platine, là, il manque le mode difficile. On va faire le jeu en game plus en mode difficile. Et c'est juste gigalon, parce que le mode difficile, c'est des putains de sacs à PV. Ok. Voilà, éclaté. Tiens. Putain, j'en peux plus de ce truc. J'en peux plus de Bahamut. Vas-y, viens là. Voilà. Tiens. Voilà. On va l'éclater au bout d'un moment. Ça va le faire. C'est le boss le plus dur, non. Mais il est pas dur, il est juste long. Hein. Il est vraiment pas dur, c'est juste un putain de sac à PV. Hop. En soi, il est pas dur. Ok. Allez, tu vas crever au bout d'un moment. Ok, ça c'est bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combo. Enchaînement. 2, 3, 4, 5, 6. Combo. Non, ça marche pas. Ok, c'est cool. Tiens. Un, deux, quatre, six. Enchaîne. Merci El Debilos pour le follow. Dans chaque sac, il y a trois croquettes. Tiens. Ok. J'arrive pas. Je sens ta gueule. Ok. Merci beaucoup de Nameless pour le follow. Ok. Ok. Bon. Là. 5. Allez, je le fume. Et après, c'est terminé. Ok. 2. Let's go. Enfin. Bah, nuit finie. Fait des heures et des heures de travail. Ok. Bien sûr les GG, salut Yed. Normalement c'est bon hein, il est fini. Il me semble. Et non, il y avait la quatrième phase que j'avais oublié. La cinquième. Sixième. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non mais je crois que... Non, il y a une autre phase encore, non? Oui, il y a une autre phase. J'ai oublié. Il a une troisième barre de vie, en fait. Il va tout détruire. Ouais, il y a du feu dans l'histoire, parce que ça s'appelle une œuvre de fiction. Final Fantasy. Hop. Parce que le jeu, c'est dans le titre.
Il faut l'arrêter coûte que coûte. Allez. Et là, c'est fini normalement. Oh. Martel. Et adieu. Y'a pas d'air dans l'espace. Oui, ça reste de la fantaisie. C'est magique, ta gueule quoi. Let's go. Enfin. Le combat est stylé quand même. Hein. Le combat est stylé. Faut mourir, monsieur. Ouais, c'est trop. Normalement c'est bon là, non? Là c'est mon écran de fin. Et l'écran de paix. Ok. Ça, c'est fait. Gain de level. Let's go. Ah, let's go. Hop, on est courte. On est courte tout et après on va aller améliorer le pendentif et on va aller XP un petit peu. On va essayer d'augmenter notre... Putain mais il y a vraiment des bruits chelous à côté dans le couloir. Et pour le son dans l'espace, c'est pareil, ta gueule c'est magique. C'est pareil. Vu que tu étais sur les prénoms, tu penses que je m'appelle comment? Ça commence comme mon pseudo, Timothée. Hop, ça c'est TikTok ban. On n'a rien vu. Salut Valotin, il manque quel trophée? Le mode difficile. Refaire le New Game Plus en mode difficile et toutes les compétences au max. Ok, mais là j'ai fait le gros... En fait j'ai fait les gros affrontements du jeu. Je pense que c'est faisable. C'est faisable Platine demain. Ce soir ça me paraît chaud. Demain ça me paraît faisable. Hop. Pourquoi lui t'es sérieux? Et qu'est-ce que t'as Zoé? Zozo, qu'est-ce que t'as? Shabab, j'ai peut-être acheté du panaché de la marque Intermarché en promo. J'ai failli Shabab, j'ai honte Kappa. T'as vu les blessés qu'on a amenés à l'infirmerie? Mais toi, c'est pas grave, toi t'as une excuse. Merci pour les 50 bits, t'as une excuse, c'est pas grave. Contrairement à Kaioxide, t'as une excuse. Excellent choix. T'as une excuse contrairement à Kaioxide, donc t'es pardonné. T'es pardonné, t'inquiète pas. Fallait racheter quoi là? Ça. C'est lequel qu'il faut racheter? C'est celui-là? Point de compétence, c'est ça. Excellent choix. Le compte y est. Ok. Est-ce que c'est tout? Non, c'est Thibaut. Bah, pas loin. Avec ça, artiste, t'as une excuse, c'est pas grave. Tu veux quoi? Toi, mais trop en arbre, je sais. Hop. Ah, je peux avoir ça. Je suis content du résultat. Hey, ok. Alors comment j'ai les... Ah oui, d'accord. Merci beaucoup Nitramer et Intacos pour les follow et merci beaucoup Mayline pour l'eau. Je commence... Mais t'inquiète, c'est que... Là, toi, t'as une passion pour boire la pisse et tout d'habitude, donc c'est pas grave. Je comprends, t'avais envie de boire de la pisse, mais sans boire vraiment de la pisse, quoi. Au moins, tu peux boire de la pisse sans vraiment être jugé en société, ça, c'est pas grave. Tu vois, c'est pour ça que je te juge pas. J'ai rien ces trucs. Hop. C'est où le truc pour les compétences? Ah, augmente les points d'expérience reçus. Bien, c'est réussi. Et augmente les points d'expérience reçus. Ah mais banger ça. Bon, à plus tard. Vas-y, on va XP, on va faire XP notre personnage un petit peu. Le garde-royeur, oh, plus que deux hein. Merci Nitramer, c'est gentil. Voilà, parfait. Donc comme ça, j'ai expérience et tout. Et là, je vais peut-être limite faire un peu d'annexe pour... Pour pouvoir XP un petit peu. Clive, tu tombes bien. Hop, ta gueule. On va cut. Et des Hortenses. Bien sûr. Tac, on va faire des quêtes annexes un peu random. Mais en skippant. T'as entendu? Il paraît qu'ils veulent nous offrir... Est-ce qu'on peut prendre des...
Est-ce qu'on peut prendre des contrats aussi? Je parle à lui tant qu'on est à côté. Ça c'est fait. C'est à elle tant qu'on est à côté aussi. Hop. Salut Janey. Coucou Hortense, moi c'est Jacques. Oui, j'ai la ref. Je possède la référence. J'ai plus de voix, c'est très grave. Hop. Mais des contrats, j'ai même pas besoin forcément de les chercher parce que je sais qu'il y en a partout. En fait. Mais je peux pas bouger là. Merde. Je suis obligé de faire ça. Quoi, tu vas, ça va et toi, Janey? Ça va, ça va. Merci. Des contrats, je sais où il y en a un peu partout, non? De toute façon, globalement. Globalement, globalement. Salut Event Shadow, mec, fais attention quand même si tu n'as pas dormi depuis samedi, c'est dangereux pour la santé. Mec, à ton avis, j'ai vraiment pas dormi depuis samedi? Tu penses vraiment qu'un être humain ne dort pas depuis... Tu penses vraiment que là, je parle non-stop depuis samedi 10h? Le ciel est tout bizarre. Bah ouais, non, en fait, j'ai pas dormi depuis 5 ans. J'en sais un peu plus maintenant, et Otto a peut-être reçu de nouvelles informations. Et pour tenir en live, du coup, je me drogue très très fort. Mais comme ça, ça me permet de tenir bien comme il faut. Très 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 fort. Je me mets un tas de trucs dans le nez, vous imaginez même pas. Même le zub de Romain Jacques, parce qu'il est assez petit pour rentrer dans ma narine. Après tout, c'est le seul truc dans lequel il peut rentrer. C'est une blague, évidemment. Évidemment. Ah. Vos abonnés, certains font beaucoup de choses. C'est un sebaton. C'est pas... Pour les abonnés, certains font beaucoup de choses, ça va. J'sais pas non plus. J'aurais dorché. Est-ce que je peux bouger là? Ok. Ah, il faut défendre Franck Castel, l'auberge de Maria, tout ça. Est-ce que j'essaye de trouver des contrats? Je sais plus où il y avait des contrats faciles. Je sais plus où il y avait des contrats faciles. Je sais plus où il y avait des contrats faciles. Je sais plus. Pas un truc là-bas, Morne-Brune. La blague, c'est que s'il met des trucs dans le nez, hein, pas que Romain Jacques a un petit pipou, hein. Si, si. Il a un petit pipou. Rosalia, la nef, Franck Castel, ouais, c'est ça. Et à pire, je fume des trucs au pif pour voir un petit peu déjà combien ça donne en termes d'XP. Là, je suis curieux. Là, je suis niveau 66. On va essayer de faire monter tout ça. On va essayer de faire monter tout ça, là. Hop. Demain ça ira un peu plus vite, demain on pourra farmer parce que j'aurai plus de sub goal en cours. Ou très très peu en tout cas. Parce que tous les sub goals sont pratiquement terminés. Ok ouais, ça gagne un peu plus, surtout pour des mobs de merde comme ça. Caput Draconi. C'est quoi l'intérêt de les cell live animés? Ça s'appelle un sub-bâton, c'est vieux comme le monde sur Twitch. Le but c'est de pas couper le live et c'est de faire un marathon où, à part pour subvenir pour mes besoins naturels, à part pour subvenir à mes besoins naturels, je ne fais pas de pause. Hop. Et ça s'entend que j'ai pas fait de pause, je n'ai littéralement plus de voix, je n'ai pas déconnecté depuis samedi à part pour dormir. Et bah si tu n'y trouves pas d'intérêt, je t'avoue que là ça va faire 6 jours que je discute avec des gens qui viennent de TikTok et qui découvrent les sub-bâtons et qui me pissent un peu dessus. Non pas que ce soit forcément ton cas, mais si tu ne vois pas d'intérêt, bah je te conseille de passer ton chemin, tout simplement, voilà quoi. Il y a plein de lives plus intéressants que le mien c'est pas forcément plus intéressant, hein. Loin de là, je ne me targuerai pas d'être un live intéressant. J'ai une petite chaîne Twitch, avec des lives qui cassent pas trois pattes à un canard, mais qui font le café. N'hésitez pas, si ça ne vous plaît pas, tout simplement, à passer votre chemin. Hop. J'avoue, je n'ai même plus besoin. J'ai même pas envie d'argumenter, de me justifier. J'en ai tellement marre depuis samedi. J'en ai tellement marre de me. J'ai l'impression que j'ai passé ma semaine à me justifier en fait. Ah, merci, Jura. Non, je laisse. C'est pour ça, j'ai l'impression d'avoir passé ma semaine à me justifier. Tant pis, c'est du, j'ai pas dit. L'autre page Twitch, c'est un sub-bâton en fait. C'est que les pauses, les seules pauses, c'est pour subvenir aux besoins naturels. C'est-à-dire que pendant une semaine, cependant, je ne me déconnecte pas. Genre, je fais une pause pour aller dormir, je me relève, je retourne sur Twitch. J'ai besoin de manger, je vais me faire vite faire un truc à manger à la cuisine, je reviens, je mange devant le live, et on joue. J'ai envie de prendre une douche, je prends une douche, je reviens, je me reconnecte sur Twitch. Je ne fais rien d'autre. Je sors pas, je...
oui, évidemment, j'ai le droit de subvenir à mes besoins naturels, mais ça reste un giga marathon et je peux vous assurer que physiquement, je ressens que c'est un marathon, quoi. Je le ressens dans mon corps que c'est un marathon. Voilà. Une semaine non-stop. Donc là, il reste 40 heures. Sachant que sur les 40 heures qui restent, je vais prendre une seule pause sommeil encore, puisque dans la dernière nuit de demain, je ne prendrai pas de pause dodo. C'est parti. Je ne prendrai pas de pause dodo. Hop. Hop, ça dégage. Ok. Ok. Ah, ça gagne bien niveau XP, hein. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus viande. Peut-être la chips que tu ressens aussi. Non, la chips, ça va, depuis samedi, elle est passée. Oh mieux. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir été insultant. Mais non, mais j'ai pas dit que t'étais insultant, hein. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient un peu des comptes, mais je suis pas irrité, donc t'inquiète pas, c'est juste la fatigue, c'est juste que ça fait quand même quelques jours que je suis dessus, mais y a pas de soucis, hein, Event Shadow. T'es même plutôt respectueux, hein. Enfin, si tu veux, j'en ai eu des cas depuis samedi qui sont pas respectueux comme tu peux l'être. Et y a pas de soucis. Y a aucun souci. Hop. Non, il y a des vrais cas. Il y a eu des gens qui me disaient « Il faut absolument que tu t'as pas le droit d'aller dormir, sinon c'est pas un vrai sabaton. » Et j'étais en mode « Ouais, bon, s'il vous plaît. » C'est Svarog, là? Oula. Oula, non. C'est Svarog, ça? Il y en a un là ou pas? Je sais plus où ils sont, là. Là, peut-être là. Le domaine de la Vénérie, non? Là, c'est Svarog. Mais si c'est Svarog, je vais me faire ouvrir le cul, on va pas y aller. Parce que Svarog en difficile, ça va peut-être pas être si rigolo que ça. Hein? Est-ce qu'après ma douche on reprend FF ou est-ce qu'on fait un peu de Zelda? On fait un peu de Zelda après ma douche, j'essaie de faire l'encyclopédie au max. Parce qu'FF, j'avoue, je commence à me lasser un petit peu aussi. Au pire, je reprendrai demain, j'ai bien avancé aujourd'hui. Un petit peu ce soir, on verra. Ça va te faire l'encyclopédie de TOTK. Hop. Tiens. Ouais, ça va être si long que ça à monter. Si, ouais, ça va être long, non. Les points de compétence. Il est level 93. Ah ouais. Je suis niveau 66, quoi. Hop. Ça gagne de XP, mais c'est pas non plus ultra viande de fou. Hein. Je vais voir avec les contrats, en vrai. Puis avec la réputation, ça peut donner pas mal. Hop. Voilà. Il reste lui là-bas. Vas-y, mange. Mon gros poids. Ça gagne beaucoup ou pas? Enfin, 44, ça gagne que dalle. J'ai pas l'impression que ça gagne plus presque. Bientôt le niveau 69, hein. C'est bien, Taz. Bon temps, Taz. Là, il y en avait un ou pas de contrat? Même pas sûr, je crois pas qu'il y en ait un. Qui est déjà percutant très rarement, ouais. T'as des modos sur TikTok? Non. Ah, bon. Des fois. C'est pas la priorité, le chat TikTok. C'est pas la priorité. Là, il y en a... Non, là, il y a rien. Je sais pas où je... Ah, là, dans la brésière, il y en a un. Je sais pas s'il est débloqué, mais il y en a un. Modérer la jungle. Là, ça va, aujourd'hui, c'est calme. C'est vachement calmé, hein. C'est retombé, TikTok. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même vachement retombé. La hype est un peu passée du sabaton. Bref, sur la fin de la semaine, machin... Même les dernières vidéos font moins de vues, ça se voit. Hein. C'est la hype est un peu repassée, ça va refaire un petit creux là. Donc là, c'est repassé. Hein. C'est beaucoup plus calme. Hein. Beaucoup plus calme qu'hier. C'est Q. Là, il y a quelque chose. Comment ça depuis tout à l'heure? Ça va, mon coup de barre est un peu passé. Je sais pas où je dois aller.
Je sais pas où il y a des contrats, j'aurais dû regarder. Hey, listen. Je sais pas où il y a un contrat facile. Merci Maxime pour le follow, merci beaucoup. Je sais plus où il y a des contrats faciles. Il n'y a pas à la porte Est en vrai. T'es encore à 32 heures de live. Non, non, je suis pas à 32 heures de live, je suis à 100... 100 et je sais plus combien. Échappe éclair. Là ? Ah oui, ça me dit un truc. Il y en a un gros qui se balade ici. Oui. Celui dans le passage souterrain de la nef. Je sais pas s'il est débloqué en vrai. Je sais pas s'il est débloqué en vrai, mais peut-être. Dans l'échappe éclair, il y en a un là. C'est un dragon, non ? Hop. Je sais plus à quel endroit de l'échappe éclair, mais ça me dit un truc. En même temps, j'ai fait le jeu il y a pas si longtemps. Hop, hop, hop. Dans tous les cas, calme-toi, calme-toi cependant. Ça vaut pas le coup. Surtout pour une fois, c'est quelqu'un de respectueux et c'est pas forcément quelqu'un qui vient juste me dire hey, « Eh, t'as pas vraiment de femme, t'es moche. » Ouais, c'est, ça va. Les gens qui viennent de TikTok et qui s'expriment bien, y a pas besoin, tu vois. Au revoir, Evan. Ciao cependant. Ah oui, lui, c'est un contrat. C'est vrai. René Étoile. Live cut toutes les 48 heures. Ah oui, ça approche l'île bot, moi. Ça fait 32 heures parce que le live reboot toutes les 48 heures parce que Twitch crée une VOD. Mais si vous regardez les VOD, le temps et tout ça, si vous voulez vraiment être sûr, vous en faites pas. Le live n'a pas cut une seconde. Ok. Misha et Mishka, vous êtes prêts pour la tire des voitures après ? Ok. Ok. C'est quoi le nom du jeu Final Fantasy XVI ? C'est dans le titre ? Ok. Ça, on fait ça. Voilà. Ok. C'est bon. Ça, c'est bon. Fumer comme ça, non. Tu vois, ça gagne beaucoup en fait de les tuer. Hein. Les contrats, je me souviens un peu si c'était worse en game normal. Ok. C'est chiant qu'il s'est pas levé vers de lui. Ok. Ok. Vas-y, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Tiens. Tiens. Ok. Oh, voilà. Ok. Shiva. Tiens. Allez, crève. Ok. Hop. Vas-y, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Bon débat. C'est bon, merci Evan Shadow pour le fond. Merci beaucoup.
Le week-end, c'est trop bien. Et quel week-end, Netoile, c'est les vacances. Mais ça gagne rien. Ça gagne pas grand-chose. Ça gagne autant que les random mobs. C'est Nico Golo. Ça gagne autant que les mobs random, j'ai l'impression. Non ? J'ai vraiment cette impression. Ça m'a pas gagné grand chose en termes de points de compétence. Hop. Waouh, toutes les compétences qui restent à faire. Ça c'est quoi ? Hop, Shiva c'est terminé, bravo, félicitations. C'est trop cher, c'est trop cher. C'est Smoothwalker, comment ça va ? C'est beaucoup trop cher les compétences. Beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Parce que si je rush, il va m'en manquer un bal des compétences, non ? Des points de compétences, il va m'en manquer beaucoup, je pense. Je sais pas. Faudra les farmer de façon random. Je pense. Les soldats ont du mal à faire face aux monstres. Je pense qu'il va falloir que je farme. Les ultis, c'est l'enfer. Ah oui, oui. Oui, ça, c'est l'enfer. Mais bon, ça se fait. C'est impossible. Je ne serai pas capable de... Je sais pas s'il va falloir que je farme beaucoup ou pas. Enfin, d'un côté, j'arrive à la fin du jeu, là, déjà. Il reste quoi ? Il reste pas grand-chose, hein. Ça, ça gagne beaucoup en renommée. Peut-être que ça va me débloquer des points, non ? Je sais pas tous les combien on gagne des points de compétences pour la renommée. Sinon je débloque ça, je vais peut-être débloquer un truc. C'est qui au-dessus de toi? Ah putain, je l'avais oublié. Je l'avais oublié. J'avais oublié qu'il était là. C'est... Patrick Balkany, un politique français. Qui a eu des problèmes avec la justice. Papa. Voilà, quand il était jeune. Madame. Quand il était jeune. Mais j'avais oublié que je l'avais mis là. En fait. Hop. Tac, tous les royalties, c'est vrai qu'il y a Tsuki aussi. Dans le coin de sa chambre. Tsuki, c'est le chien, c'est le chat de Patrick Balkany. Voilà, c'est un chat qui est connu sur internet. Il y a plein de mèmes sur Tsuki. Youtube, c'est réalisé très serré car j'avais tout fait. J'ai réussi à tout débloquer sur le roi Behemoth à Valod. Ah ouais. C'est pour l'eau Alexandre. Mais j'arriverai jamais à finir pendant ce bâton du coup. Non. L'acharnement, quel acharnement ? Il devait juste aller observer. Quel acharnement ? Pas d'acharnement. Si on faut farmer des mobs random, je pense. C'est plus rapide limite hein. Comme ça donne 100 par combat et que c'est rapide. Parce que les quêtes annexes, c'est longué en fait. Je tabasse des mobs un peu au pif. C'est le champignon. C'est la photo quand ils volaient de la viande au champ, ils conduisaient la Tsuki Mobile, c'est ça. La Tsuki Mobile, c'est la voiture qui roule. Non, il y a Erf. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Hop, allez faire quoi là ? Hey, c'est au goût champignon pour le follow. Clive, regarde. Ok. Allons-y. Attends, je ferai du farm, hein. Session de farm et puis rien. Hein. Je vais dans le désert, je farme des trucs et puis voilà. Hein. Prendra le temps que ça prendra, je m'en bats les couilles. Hop. Ok. Tac. Voilà. Comme ça, hein. Hop. Ça. Ça. Savais-tu l'une de tes modératrices de Mokalia faisait une pâté de poulet sur Discord il y a quelques années ? Quoi ? Ah bon ? Y'a des screens de ça ? Tiens. Oui. Est-ce que les screens peuvent être projetés dans le général ?
suis très curieux. Oh putain, y'a un mec. Déjà fait. Ah bon? Elle fait pas du pâté poulet, c'est pas du pâté poulet. Pâté poulet, faut vraiment parler comme un débile. Pâté poulet, faut vraiment parler comme un débile, là ça marche pas. Allez! C'est terminé! Essayez de débloquer un maximum de compétences. Je vais aller farmer dans le désert, je m'en fous, je vais farmer. Faire des sessions farm. Tiens! Tiens! C'est bon. Ça. Je vais faire des sessions farm en vrai. On va blablater en faisant des sessions farm, c'est très bien. Ok. 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 Bien. On va faire comme ça. Je l'explose. Et c'est bon. Ça lui a rien fait. Vas-y, crème. Voilà. Je prends la douche et j'arrive. Très bien. Je vais farmer un petit peu en attendant. Et 228. En vrai, je pense que si je farme des mobs un peu random à des endroits, je pense que ça peut aller vite. Il en viendra. Hop. Tiens, on est courte. Et quête terminée. Est-ce que ça gagne des trucs cette quête ou pas? Ah ouais! Ok. Ça, ça gagne pas mal. Je sais pas s'il y a des quêtes en particulier qui gagnent beaucoup. Mais 1000, c'est bien. C'est viande. Je vais retourner au repère. Et on va voir. Bien viande. Bien viande. T'as entendu? Il paraît qu'ils veulent... Mais qu'est-ce qui se passe, mon sang? C'est combien pour l'ulti de Garuda? J'aimerais bien maxer certaines compétences. 2000 pour Garuda? Mais comment on voit quel niveau il est, le truc? Comment on voit le niveau de la compétence? On voit pas, hein. Si c'est bientôt au max ou pas. Pour ça, il faut attendre un peu. Hop. Je vais voir elle. Salut Clive. Salut. Si tu veux voir les récompenses disponibles, c'est par ici. Ça, on voit pas ce que ça gagne, non? Reviens quand tu veux, Clive. Ouais. Ah ouais. Vas-y, au pire du pire, je vais là. Tu dois l'améliorer encore deux fois pour avoir une récompense. Ah ouais, c'est beaucoup. Non mais si je bats des mobs random, je pense que je peux. Je vais essayer de battre quelques mobs random. En attendant Taz. Comme ça après on fait la tier list voiture, après je fais des pokémoches. Après je fais les abdos, après je prends une douche. Et après on fera du Zelda. On essaie l'encyclopédie dans Zelda. Et après comme ça j'ai plus de sub goal. Si, encore 3. Mais que 3 c'est rien, 3 sub goals c'est bon, c'est fini. Hop. On va voir combien gagnent les mobs random ici. Hop, si je fais ça. Salut Bacchus, enfin bonjour. Voilà. Tiens. Prends mon épée.
Voilà. Coupe-moi ça. Il est où le dernier? Il en reste deux encore. J'y vais. Parce que moi je trouve que les mobs random ça gagne limite plus en fait. Tiens. Ah 134, c'est rapide hein. Un combat pour 134. La tier list voiture, non c'est bientôt, c'est bientôt. C'est bientôt. Et après, comme ça j'ai presque plus de sub-goal, j'ai presque plus rien à faire. Hop. Fumer les malandras. Ça. Attends, t'as dit il restera que deux sub-goals avant ce soir. Ouais, je me suis un peu fourvoyé je pense. Mais... je sais pas, là il m'en reste... je sais plus combien il m'en reste. Là je crois qu'il m'en reste 7. 6 ou 7 je crois. Hop, 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 dans les couilles. C'est bon. Il est où le dernier? Il est là-bas. Voilà. 179 hein. Rapide. Cette musique, ouais. C'est assez rapide, je trouve. Perso. Je trouve ça assez viande. Y'a un truc là-bas déjà? Je sais plus. Je peux presque m'acheter la compétence de Garuda. Presque. Ça, plusieurs récompenses random. Il en faut vraiment beaucoup hein, des points de compétence. Vraiment, vraiment beaucoup en fait. Hop. Comme ça. Fais du Bogan pendant le marathon, ouais, un petit peu. Ça fait quelques heures. Non, moi qui voulais platiner FF16 pendant le marathon, bah. Putain, pas du tout hein. Voilà. C'est bien. Du coup... là je peux acheter Garuda. Mais c'est pas au max, il faut 4000 ensuite. Mange tes morts. 4000. 4000, je suis prêt, ok. On va passer dessus. 4000 points pour augmenter au max. Ok. Tiens. Il y a des compétences qui sont peu viandes en termes d'augmentation. Allez, on va aller faire la tier list des voitures. Cassid il est là pour Vroom Vroom, 2 minutes, ok. Dès que tu es là, tu pourras me dire si tu changes le titre et go. La tier list des Vroom Vroom. Ça va faire venir bien Vroom Vroom là, c'est bien. Bien s'amuser. Hop. Vroom Vroom, caca oxydé avec sa Tesla. Ça va Vroom hein. Enron, t'es pas content? T'es pas content que ça vroom? Hop. Ils sont tous dans la taverne là-bas. Après on peut pas faire un new game plus plus pour les compétences. Vite plus rapide, je sais pas. Faire du gros bruit. Qu'est-ce qu'il fait ici? Hop. Ça va être horrible. Vraiment, ça va être horrible. Je vais entendre parler d'un sujet qui me passionne pas du tout pendant 30 minutes. J'ai pas de meuf, je me sens seul. Bah écoute, c'est pas vraiment notre souci. Pas de meuf, d'accord. Et donc... désolé pour toi, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, force? Imaginez, Conrad. Hop. Formons une milice pour protéger Nathalie. Ah, convaincre Nathalie. Je sais pas si en vrai j'avance pas dans le jeu et juste... on verra à la fin, quoi. Si seulement j'ai plus Clio 2 ou Twingo? Mais je saurais même pas différencier une Clio 2 d'une Twingo, hein. Devoir rassembler de la... vraiment, hein.
J'ai l'impression que ça s'est bien passé avec ces deux-là. Vraiment, vraiment, vraiment. On peut le dire. Twingo, la base. Retournons vite chez Lubor. Quelle angoisse. En vrai, ouais, peut-être, je sais pas, farmer les cages. Oui. Merci Inky pour les 50 bits. Joyeux Kappa. Jojo joyeux, quelle angoisse. Hop. Quelle angoisse, Jojo joyeux. Ah, et là, c'est la défense de Francastel, du coup. Oh, on va la faire, hein, de toute façon, puisqu'on attend Kaoxyde. On est venu chercher les clés. Kaoxyde, les 2 minutes de Kaoxyde, elles sont longues. Hein. Clive, voilà les bandits. Hop. Voilà. Hop. C'est parti. Voilà. Bien. Ça va, oui. Ah oui, ça va. Ça va, t'inquiète, hein. C'est juste giga long, quoi. Ok. Il y en avait encore. Merci Otag pour le follow. Hop. Putain. Calmez-vous. Ok. Voilà, encore. Vas-y, patate dans sa gueule. Ça aussi tu prends. Hop, de rien poulet. Merde, merci poulet. Pourquoi tu fais cet emoji mais ça pue. Hop. Tac. Ok. Tiens. Quel gros coup. Ok. C'est bon. Je le fume. Et je le déglingue. Voilà. Je sais pas à quelle heure j'arrête ce soir en vrai. Je ne sais pas. Ça, ça a gagné pas mal de points cette quête. Hein. Hop. Tiens. Tiens. Quel bon bâtard. Ok. Merci beaucoup Little Juju pour le follow. Voilà. Oh, c'est une cabane ce soir. Non, non, ça c'est pas prévu. J'ai trop de trucs à faire déjà. Malheureusement. Ok, c'est un peu naze en termes de points. Mais c'est pas grave. Les enfants qui crient dans le RER, pourquoi? Parce que pourquoi Koubé? Salut The 21 Reads. Comment ça va? Kaoxyde, t'es toujours pas prêt? Oui, Thierry se fait MP. Bon, tout qu'on appelle breton. Hop, je sais pas où il est. Hein. Ah, si, ah t'es, c'est bon, t'es prêt? Enfin, putain. Bon, attendu. On aura, t'aura mis le temps. Hein. T'as osé Shabab? J'ai fait quoi, moi? Bon, je. On a fait cet arbre-là. Il en reste tellement de trucs à faire. Il reste tellement de trucs à maxer. Vas-y, je maxe ça, là. Ouais, j'ai maxé le milieu comme ça. J'ai maxé le milieu, j'ai maxé Shiva, le milieu et ça. Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5 à maxer. Vas-y, on en maxe au moins 3 de plus ce soir. Rien à foutre. Tac. Ok. Désolé. Allez, on va faire une tier list voiture avec